de Dieu, le très charitable, très miséricordieux, créateur de l'univers. Que sa bénédiction soit sur chacun de nous, habitants du royaume de Dieu. Dieu seul connaît l'ensemble de l'univers et ce qui demeure invisible à l'œil nu. Aussi j'implore son aide au moment d'entamer l'écriture de ce livre, où seront narrées les origines de notre lignée royale et de nos traditions, afin que nos fils et nos petits-fils et leurs petits-fils connaissent leur histoire. Il faut savoir que lorsque nos ancêtres atteignirent ces côtes, ils furent accueillis par les Geruta. Le chaos et la destruction tombaient du ciel et sortaient des entrailles de la mer. Notre histoire commença à l'occasion d'un heureux événement. L'union du prince et de la princesse de deux des plus grands empires du monde. L'Empire romain, situé bien au-delà de l'endroit où se couche le soleil, dirigé par l'empereur Hadrien. Et l'Empire Han, situé à l'extrême orient de la route de la soie, que dirigeait l'empereur Han Handi. Ce mariage devait façonner le monde pour les siècles à venir. Chaque partie parcourut des milliers de milles marins en suivant la plus grande route commerciale du monde afin d'atteindre une terre où aucun roi ne régnait. Mais comment l'homme pourrait-il prévoir l'avenir? La flotte du futur marié fut quasiment détruite. La situation devint particulièrement épineuse. Le moindre retard aurait offensé l'empereur chinois et causé la mort de milliers d'hommes. Au lieu d'unir le monde, cette initiative risquait de le couper en deux. Nous avons perdu tous nos navires. Nous cherchons donc une flotte, ou même un seul navire, ainsi qu'un capitaine sachant naviguer sur ses côtes afin de rejoindre la future marine. Ah, je vois. Nous avons les navires et le capitaine qui pourra vous amener jusqu'à cette minuscule péninsule. Hélas, il n'y a qu'un seul ennui, c'est votre destination. C'est un endroit très violent. Les gens y sont très violents, et pire encore, le coin pullule de pirates. Pourquoi voulez-vous aller dans un tel endroit? Pourquoi ne pas vous marier ici, à Goa? Les Chinois y tenaient pour des questions de feng shui. Nous n'avions rien contre. Ces îles sont importantes pour nous et pour les Chinois aussi, puisqu'elles sont sur une route marchande. Donc, faire de cet archipel le lieu symbolique où se rejoindront nos deux empires est une bonne idée. Très bien. Nous avons les navires et nous avons les marins. Les meilleurs que Goa ait enfantés. Et pour le paiement, que comptez-vous faire? Nous offrons de l'or pour cette mission. De l'or, c'est merveilleux. Excellent, excellent. Cependant, dès que j'aurai fait passer le mot, vous pourrez voir que des centaines de marins et nos meilleurs capitaines seront prêts à sacrifier leur propre vie pour s'assurer que le jeune prince retrouvera sa promise. Certes, mais ils devront attendre. Incessamment sous peu, une nouvelle flotte va arriver de Rome. Car pendant l'orage, nous avons perdu tout notre or. Ah, et voilà notre problème. Vous allez devoir payer avant de pouvoir mettre le pied sur un pont. Sinon, vous pouvez toujours y aller à la nage. Il n'y a vraiment pas de solution. Même si l'honneur de Rome est en jeu, et avec elle l'amitié entre Rome et Goa, nous sommes prêts à multiplier les soldes par 10. Mais beaucoup d'hommes vont mourir. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et si nous allions voir de quoi il retourne? Bien, après vous. Marcus, mon prince, je doute qu'il soit judicieux. Si nous ne trouvons pas ce que nous cherchons au marché de Goa, tâchons au moins de profiter de son animation. Oui, ce que désire le prince l'a.
Vous y trouverez peut-être la personne qui acceptera de vous y emmener. Il a l'air fort. Vous croyez qu'il pourrait accepter notre offre? Oh, c'est un combattant fantastique, mais c'est plus un lutteur qu'un navigateur. Il agit plus vite qu'il ne pense, mais moins vite qu'il ne parle. Mais hélas, il a du sang noble, et ses frasques sont une honte pour toute sa noblesse. À quel genre de spectacle se livre-t-il? C'est un combat de rue. Lysius, c'est de la politique. De la politique? Vous voyez la jolie jeune femme qui est là-bas? C'est Yesodra, la sœur de Sunder, le terrifiant combattant que vous admiriez. Elle a essayé de... Oh, de s'enfuir avec un aventurier, mais elle fut prise sur le fait. Ah, quelqu'un va être exécuté? Non, s'il est venu là, c'est pour se battre contre celui qui a terni la réputation de sa sœur. Mais pour tout vous dire, sa réputation était déjà... C'est donc l'adversaire? Pas très impressionnant. Depuis plus de 30 ans, il navigue sur ces eaux comme si c'était son royaume. Et chaque fois qu'il jette l'ancre dans le port, il dit aux femmes qui sont là qu'il est un descendant direct du grand roi Alexandre en personne. Il jette l'ancre? Ce qui veut dire qu'il a un navire? Oui, si on peut appeler ça un navire. Une jupe sur un homme? Comment s'appelle-t-il? Oh, il a plusieurs noms. Le seigneur du Djantayou, le métis, le roi de nulle part. C'est Merong Mahawangsa. C'est lui qui va nous amener à la chersonnaise d'or. Vous n'allez pas employer quelqu'un d'aussi peu recommandable. Exact. Il doit être puni. Il doit être exécuté pour que Sunder et sa famille soient apaisés. Mais si pour lui c'est terminé à Goa et qu'il n'a plus rien à perdre, alors pourquoi ne pas lui donner une seconde chance? Et je suis certain qu'il ne demandera pas plus d'or que les autres. C'est de l'inconscience. Les gens vont prendre sa tête. Pas si nous les en empêchons. Oh. Halt! Halt! Reculez ou Rome vous déclarera la guerre! Reculez! Allez, partez! Rentrez chez vous!
savez ce que vous faites ? Je l'espère, moi aussi. Vous pouvez remercier les dieux d'être encore en vie. Vos dieux n'ont rien à voir avec toute mon histoire. À moins que Jupiter veuille bien venir jusqu'ici pour m'enlever ces maudites chaînes. Ou alors, si vous avez une épée ou une machette, il y a un truc qui tranche. Bon, enlevez-moi ces chaînes que je puisse m'en aller. Et où veux-tu aller, Mérong ? N'importe où, tant que je n'aurai pas à subir votre affreuse compagnie. Et c'est surtout votre haleine qui empeste. Alors, tu veux bourlinguer, comme on dit ? Naviguer. Il y a une différence. Tu supposes que nous allons te libérer ? De toute façon, où pourrais-tu aller ? En Chine ? J'y suis déjà allé. Nagasaki ou la Perse ? Je peux pas y retourner. J'ai été chassé de là-bas comme on me chasse d'ici. Je m'en souviens. Alors, je pourrais aller en Macédoine, en Grèce ou bien même à Rome. Ou je pourrais naviguer au hasard pour trouver les falaises du bout du monde. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Honnêtement, je m'en contrefiche. Mais imagine qu'au lieu que tu ailles à Rome, Rome vienne vers toi. Je m'appelle Lysius et je suis en mission importante pour Rome. Notre prince Marcus doit se marier avec une princesse chinoise. Oh, alors, tous mes vœux de bonheur à Rome et à la Chine. Bon, maintenant, soyez gentil. Vous voulez bien m'enlever ça ? Vous n'êtes pas intéressé par notre offre. Bon, écoutez, la plupart des Chinois vont prendre ce mariage comme une insulte. Alors non, jouez cette comédie romantique sans moi. Mais Rongma Wangsa, c'est ta dernière chance. Les Romains ont besoin de quelqu'un qui connaît cette mer. Tu étais condamné à mourir sans l'intervention de ce jeune prince qui s'est entiché de toi. Salut. Tu vas accepter pour notre salut à tous les deux. Ou que Krishna m'en soit témoin, je te tuerai de mes propres mains. Aidez-nous et nous vous accorderons la citoyenneté romaine. Je vous offrirai assez d'or pour acheter une armada. Mais pas avant que la seconde flotte soit revenue de Rome avec l'or, votre or. Nous y voilà. Ça explique pourquoi personne n'a voulu embarquer ces Romains errants. Eh bien non, désolé, je suis pas un usurier. Comment ça ? Pour un homme qui ne possède même pas sa vie, tu devrais être heureux de trouver quelqu'un qui te donne une chance. Vous allez protéger le prince et tuer toute personne qui touchera à un cheveu de sa tête. Qu'il s'agisse de barbares ou de chinois, je compte sur vous. Tu n'as pas le choix. Maintenant, soit tu t'en vas de Goa avec les Romains, soit tu t'en vas de Goa sans ta tête. Vous allez être gentil, surtout vous ne touchez à rien sur ce navire. Et toi, ne vole pas mes provisions. Hé, garde un œil sur eux. Qu'y a-t-il dans cet étui que vous affectionnez tant ? Quoi, ceci ? Ah, ça c'est mon père qui me l'a donné. C'est de votre mère que vient cette aiguille ? Parce que si elle vous a aussi appris à coudre, nous avons quelques toiles qui auraient besoin d'être rapiécées. Si ça vous tente, je peux aussi vous coudre la bouche. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'après ce que mon père m'a dit, il appartenait à un sage qui vivait en Grèce. Ah ! Est-ce que c'est de la sorcellerie ? Ou un attrape-bigot de plus ? Oh ! En fait, je l'emporte dans tous mes voyages depuis que ma mère me l'a donnée. Elle est morte ? Oui. Et comment ? Je n'en sais rien. Mais j'ai horreur des petits curieux. Ma mère vivait dans la Chersonèse d'or. Vous savez, l'île où nous nous rendons pour votre mariage. Et toi, mon brave, où vis-tu ? Ali Douillet m'attend dans tous les ports du monde. Ma maison est là, c'est la mer. On doit s'y sentir seul. Les muscles ne m'impressionnent pas. On dit que tu prétends être le descendant d'Alexandre.
Je ne prétends rien. Je suis un descendant direct du grand Alexandre lui-même. Et je doute qu'un seul de vos soldats soit digne de me combattre. Hé, est-ce que je ne t'ai pas déjà dit de te tenir à l'écart de mes provisions? Écarte. Admettons que tu es un iota de la sagesse d'Alexandre. Laissez-nous seuls. Lysius n'étant pas là, tu es le seul à pouvoir m'éclairer sur une question. Je vous écoute, mon prince. La fille que je dois épouser, je ne sais rien sur elle. Comment puis-je savoir si je l'aimerai ou si elle m'aimera? Et ce qui m'angoisse le plus, c'est de ne plus pouvoir être libre, comme toi tu l'es. L'amour. Ah, mon prince. Mon prince, votre mariage n'est pas une affaire de cœur. C'est... de la politique, oui, ça je l'ai compris. Je sais très bien que Rome compte sur la Chine pour apprendre l'art de construire des machines de guerre. Et vous, vous cherchez le vrai amour? Mon jeune prince. Lorsque le temps et l'instant seront réunis, les deux côtés ne feront plus qu'un. Quand deux ombres viennent à se rencontrer, la mort s'arrête et la vie, elle, continue. Qu'est-ce que c'est? Dans nos contrées, on appelle ça un pantoum. Ma mère répétait ce poème quand j'étais enfant. Tu peux me l'expliquer? Non, pas du tout. Ça fait des années que j'essaie d'en comprendre le sens. Mais je pense qu'elle voulait me parler du mariage. Enfin, elle me disait aussi de ne pas pisser n'importe où. Mais rassurez-vous, je ne pense pas tous les soirs à ce poème. La seule chose que je sais vraiment, mon prince, c'est que je donnerai tout et que je ferai n'importe quoi pour revoir ma mère. Et c'est là que l'on sait. C'est là que l'on sait quand on aime vraiment quelqu'un. Faire n'importe quoi. Et tout donner, hein? Amiral, la mer est agitée ce soir. Nous approchons du détroit. À partir de là, ça se calmera. Princesse, êtes-vous inquiète au sujet de son apparence? Ce sera un barbare recouvert de poils blonds. À quoi peut-il ressembler d'autre? Je vais dormir avec un animal. N'ayez pas peur, ma chère princesse. Il ne faut pas écouter toutes les rumeurs que l'on colporte sur eux. J'ai déjà vu un occidental. Ils sont grands, musclés. Et ils ont la couleur du ciel dans leurs yeux. Si c'était un nain avec des yeux rouges, ce serait pareil. Je ne veux pas vivre comme une prisonnière, comme un oiseau de cristal dans la chambre de l'empereur. Je veux être libre, comme peut l'être le rossignol. Je sais qu'à l'instant où je serai mariée avec lui, je perdrai tout espoir de réaliser mes rêves. Inutile de me faire les grands yeux. Non. La dernière fois que Ying-Ying, vous avez tenté de vous enfuir... Tu as toujours été une sœur pour moi. J'ai besoin que tu m'aides à m'enfuir.
Nous sommes presque arrivés, Votre Altesse. Je vais donc vous demander de rester dans votre cabine. Oh, mais ça fait des jours qu'on est en mer. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Et croyez-moi, je vous comprends. Mais pas ici, pas sur ces eaux. Ici, il y a des choses. Des choses de quel genre? Des bêtes? Ou bien des pirates? Oh non. Bien pire. Des bêtes avec des cœurs de pirates. Voyez-vous-même, mon prince. Rien ne vaut la peine d'être vu ici. La chère Sonnesse d'Or n'est plus très loin. Ils naviguèrent ainsi jusqu'à se trouver à proximité des côtes, jusqu'à pouvoir voir leur destination. Puis ils posèrent le pied sur une plage sans nom, sur des terres sans roi, situées sur la plus grande route marchande du monde. Chez toi, Mehrong. Amiral Yu-Yun, vous refusez de m'aider? J'ai fait le serment de vous protéger et de vous servir. Mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Toutes mes excuses, Votre Altesse. Mais je reste convaincu que votre vie sera meilleure après ces noces. Princesse? Oh! Amiral, le convoi est arrivé. Salutations de Rome. Voyez notre grande armada. Oh, je crois que c'est celui qui est devant. Oh, il est assez grand et musclé aussi. Avec lui, vos enfants seront très robustes. Assez, Yunin. Je n'arrive pas à me concentrer. Bienvenue. Je suis l'amiral Liu Yun. Je suis heureux de voir que notre auguste prince est en parfaite santé. Excusez mon indiscrétion. Mais Rome doit penser que la Chine est minuscule pour n'envoyer qu'un seul navire. Et vous ne semblez pas être très romain. Toute la flotte a quasiment été détruite. Et non, je n'ai pas l'air vraiment romain, parce que je ne suis pas romain. Je ne suis qu'un type de passage, qui a eu l'immense honneur d'être engagé par les Romains pour livrer cette précieuse cargaison à ce lieu de rendez-vous. Lysius est resté à Goa. Il attend la seconde flotte romaine. Et moi, je suis Mehrong Mahawangsa. À votre service. Oui, et voici Marcus Caprinius, prince de l'Empire romain. C'est un honneur pour moi, amiral. Il est plus jeune et beaucoup moins musclé. Mais vos filles seront de toute beauté avec lui. S'il t'intéresse tant, marie-toi avec lui. Viens. Préparons-nous pour ce soir. Notre princesse aussi est ici, saine et sauve. Mais je vous dois des excuses pour ce lieu de rendez-vous. La maison impériale m'a chargé d'organiser les noces ici, à la Chersonèse d'Or, et à la prochaine pleine lune. La coutume, les traditions, vous voyez. Oui, je respecte vos coutumes. Ce n'est pas un mauvais choix. C'est un superbe endroit. C'est protégé de la mousson et personne ne vous y ennuiera. Et à la prochaine pleine lune, nous pourrons remettre le cap sur Goa, et je serai payé. Dites-moi, amiral, si je viens à m'ennuyer, me serait-il possible de rencontrer la princesse? Que le futur marié rencontre sa promise ne porte-t-il pas malheur dans vos traditions? Est-elle... Amiral, je crois qu'on nous surveille. Pardon? Qui nous surveille? Oh, il n'y a aucune raison d'être inquiet. C'est sans doute les natifs du coin. Et je doute qu'ils soient hostiles, n'est-ce pas, mon amiral? Nous commencerons les préparatifs du mariage demain.
Vous connaissez ces côtes ? Non, pas tant que ça. Mais ma mère vivait dans cette région. Je n'étais encore qu'un petit enfant quand mon père m'a pris pour faire de moi un marin. Ah, quelle époque ! Il voulait que je lustre le pont, que je fasse toutes les corvées, que je monte les voiles, et ce, comme tous les marins. Et j'avais à peine 12 ans. Mais il a pris soin de moi. Comme le disent les Chinois, même les loups ne mangent pas leurs petits. Mérong, vous dites. C'est un nom qui est loin d'être inconnu ici en Chine. Vous êtes peut-être ce Mérong dont j'ai entendu parler. Qui, moi? Non, ça m'étonnerait. Alors c'est peut-être un de vos parents? Figurez-vous que le Mérong dont on m'a parlé s'est fait remarquer de vilaine manière dans un de nos ports. Ah bon? Il aurait eu une histoire avec une femme de la noblesse chinoise. Oh, ça doit être quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais mis un pied en Chine. C'est bien trop loin de chez moi. C'était sûrement mon oncle, Mérong Ma Swasa. Mon prince, où allez-vous comme ça? Me détendre. J'ai besoin d'être tranquille. Sois gentil de me laisser seul. J'ai juré que je vous protégerai et que je tuerai toute personne qui toucherait un seul cheveu de votre jolie tête dorée. Je ne risque rien, Mérong. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta propre vie. Je crois comprendre que tu as quelques ennemis en Chine. Mon prince, surtout ne faites rien de stupide. Merveilleux. Je ne peux même pas voir la princesse. Elles nous éclaireront sans attirer l'attention des gardes. Ton intelligence me surprend, Yingying. Si j'étais vraiment intelligente, j'aurais pu vous convaincre d'abandonner ce projet. Où va-t-on aller? Qu'allons-nous faire? J'enseignerai la musique. Aux enfants, de la harpe. De quels enfants parlez-vous? J'ai envie d'enseigner la musique aux gens du peuple. Comme ça, ils pourront jouer de la musique dans les palais, s'ils sont d'accord. Ma très chère princesse, ces pauvres gens préféreraient une soupe insipide pour leurs estomacs plutôt que de la belle musique pour leurs oreilles. Nous planterons de quoi les nourrir? Des arbres sur lesquels poussent les canards rôtis et des massifs de nouilles, comme nous l'avons fait l'été dernier dans le jardin impérial. Princesse? Vous la princesse? Je ne suis pas la princesse. Je suis sa servante. Mon nom est Yingying. Je suis la princesse. J'avais envie de me soulager. Que faites-vous ici, le voyant? Nous nous baladions au clair de lune. La princesse composait un poème. Cela n'explique pas ces baluchons. C'est de la soie fine que j'utilise pour mes souliers. Du matériel d'écriture. C'est pour écrire, vous voyez? Vous pouvez écrire là-dessus. Mais c'est pour les brouillons, mon cher. Ça suffit. Ne me prenez pas pour un idiot. Vous preniez la fuite? Mon prince, si vous désirez tout savoir... Donc Rome aurait sacrifié ses fils, combattu des serpents de mer, bravé des tempêtes, pour aller au bout du monde et vous voir fuir. Vous vous méprenez. La princesse... Je ne veux pas savoir. Vous voulez vous enfuir? Soit. Ça me convient très bien. Allons-y. Laissez-moi vous guider dans la forêt. Vous feriez ça? C'est une bonne nouvelle. Bien. Escortez-nous dans la jungle.
Vous parlez donc ma langue? Oui, bien sûr. Nous n'avons rien d'autre à faire qu'à étudier les langues et la musique. Nous parlons toutes les langues qu'il faut connaître. Nous connaissons même la langue de cet endroit. Oh, et aussi le latin. Carpe diem, quam minimum, credula postero. C'est de Horace? Vous avez lu Horace? Nous l'avons appris pour vous, votre Altesse, pour faciliter les choses. Et votre servante aussi? J'ai tout le temps été auprès de la princesse et je la suivrai après votre mariage. Enfin, si elle s'était mariée avec vous. Mais peut-être que ça vous aurait dérangé. Ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Si nous avions dû être mariés, ce qui n'est plus d'actualité, vous auriez pu rester avec nous. Pourquoi? C'est très généreux de votre part, votre Altesse. Vous êtes en colère contre moi? Pourquoi serais-je en colère contre vous? Je ne suis que la servante. Je ne fais qu'aider votre princesse à réaliser son vœu. Elle veut s'en aller et moi je l'aide. Hein? Allez-vous-en! Puisque vous prétendez comprendre le cœur des femmes, imaginez le destin cruel qui était réservé à la princesse, réduite au rang de créature soumise dans votre palais. Vous dites? Je sais parfaitement pourquoi vous voulez vous marier à une princesse chinoise. Vous devez avoir des centaines de femmes à Rome. Peut-être même en Grèce ou en Perse, non? Non, je n'ai personne d'autre. Alors pourquoi vouliez-vous quitter la princesse? Me quitter, moi? Hé! Hey, c'est vous qui vouliez vous enfuir, pas moi! Vous, avec votre chin-chin... Ying-ying! Ying-ying! Vous fuyez avec votre ying-ying et vous dites que c'est moi qui vous quitte? C'est vous qui ne voulez pas vous marier avec moi, princesse! Pourquoi votre servante est en colère contre moi? Peut-être... parce que ce n'est pas la servante, idiot. Si j'avais été la princesse, nous ne fuirions pas. Pourrais-je avoir un moment avec la véritable princesse, je vous prie? Il faut lui pardonner. C'est moi qui ai eu l'idée d'inverser les rôles. Vous voulez être désiré, ce qui n'est pas du tout mon cas, d'où votre colère contre moi? Vous n'avez rien de plus original. Je veux seulement être libre. Je veux ma liberté. Je ne veux pas être coincée dans un palais ou un château jusqu'à la fin de ma vie. Je veux voir le monde. Quelle ironie du sort, princesse, car c'est exactement ce que je veux. Alors, mon départ est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Est-ce vivre à Rome qui vous déplaisait? Être loin de la Chine? Non. Je n'ai aucune envie de vivre en Chine ou dans n'importe quel palais dans le monde. Si nous nous étions mariés, nous n'aurions jamais vécu en Chine? Êtes-vous déçu? Pas du tout. Mais je... disons que ce mariage ne m'enchantait pas énormément. À dire vrai, je craignais de ne plus être libre d'aller où je veux après notre engagement. Après que vous soyez... devenue ma femme. Je refuse d'être mise en cage, dans un palais ou un château, comme un oiseau de cristal dans la chambre de l'empereur. Et que penseriez-vous, princesse, si je vous disais que nous serons aussi libres que des rossignols? Nous serons libres d'aller et de chanter à notre guise. Dites-moi plus, mon prince. Hé, hey, venez voir, c'est un bandeau blanc. Il ne faut pas qu'il porte malheur. Allez, les enfants, ne vous approchez surtout pas de ce garçon. Il porte malheur. Tout est de sa faute. Tout. Qu'est-ce que tu as, Mélo? Pourquoi pleures-tu comme ça? On dirait une petite fille. J'aime pas les filles. Je les déteste. Sans-moi, je suis une fille. Écoute-moi.
Lorsque le temps et l'instant seront réunis, les deux côtés ne feront plus qu'un. Quand deux ombres viennent à se rencontrer, la mort s'arrête et la vie continue. Les deux côtés ne feront plus qu'un. Quand deux ombres... Capitaine! Réveillez-vous! Quoi? Venez, suivez-moi! Et pourquoi tu m'as réveillé? Il fait encore nuit! Vous allez me laisser dormir en paix! Encore nuit? Il est presque midi! Capitaine, il faut que vous voyez ça monter! Ça, c'est une sacrée armada. Eh bien, nous n'avons pas de chance. La chance n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est... de la sorcellerie. De la sorcellerie. Hé, hey, amiral. Les Gerudas arrivent. On dit qu'avant leurs attaques, le ciel poignarde leur proie en leur envoyant des éclairs. Ils prient des dieux très anciens. Garde! Prenez position! Mettez la princesse à l'abri! Attendez! Où est le prince? Où est le prince? Petit blondinet, il porte une jupe. Non. C'est douloureux. Oui. Et ben voilà, comme ça t'auras moins mal. Équilibré! Oh, j'ai dit un à la fois! Oh! Capitaine, derrière vous! Oh.
Marcus! Non! Lorsque le temps et l'instant seront réunis, les deux côtés ne feront plus qu'un. Quand deux ombres viennent à se rencontrer, la mort s'arrête et la vie continue. Vérong, viens! Cache-toi là! Tu ne fais aucun bruit et tu attends que je revienne, d'accord? C'est bien lui. Comment tu peux en être sûr? Tu ne lui as même pas parlé. Je le sens au fond de mon cœur. C'est celui que nous attendons depuis si longtemps. Où est-ce que je suis? Ne bouge pas. Tes blessures risquent de se rouvrir. Qui es-tu? Je m'appelle Kesum. Je suis le chaman de cette tribu. Et voici M'Bok, ma fille adoptive. Mais pourquoi m'aides-tu? Repose-toi ici le temps qu'il faudra.
Jusqu'à ce que tu aies retrouvé toutes tes forces, je prendrai soin de toi. Et surtout, ne t'inquiète pas. Le cercle sacré ne se rouvrira pas avant la nouvelle lune. Quel cercle ? Quel nom t'ont donné les Chinois ? Mon nom n'est pas fait pour être prononcé par la bouche d'un chien comme toi ! Comment oses-tu ? On dirait qu'en Chine, on ne connaît pas les bonnes manières. On ne t'a pas appris comment on montre du respect aux hommes. Ôtez vos pattes de la princesse, animal ! Kamawas, tu dois te contrôler. Explique-moi, Taji. Je trouve dommage de réussir une telle prise si c'est pour qu'elle fasse jolie dans nos petites huttes. Patience, disciple bien-aimé. Cette princesse est la fille d'un grand roi, l'empereur de Chine. Un empire immense et très puissant. Pour offenser l'empereur de Chine, la meilleure chose à faire serait de prendre sa fille et d'en faire mon animal de compagnie. J'ai envoyé un de nos messagers aux Chinois. Je leur ai promis que nous ne lui ferions aucun mal. Et si l'empereur veut qu'on continue à bien prendre soin de sa princesse, il devra donner 1000 taels d'or au Geruda. Je leur ai laissé 2 lunes pour payer. Elle vaut 1000 taels d'or, alors? Oui. Il va donc falloir que tu assouvisses ton appétit sexuel ailleurs. Au moins pour les 2 prochaines lunes. Elle vaut plus que ton plaisir. J'ai aussi demandé à l'empereur de Chine de reconnaître l'autorité des Gerudas sur leur territoire. Quand il se sera incliné, nous serons comme des rois sur l'océan. Merci pour tous les soins que tu m'apportes. Je te promets, je m'en irai dès que je serai sur pied. Pourquoi es-tu si pressé de t'en aller? Ne vois-tu pas que tes blessures saignent encore? Je dois aller récupérer mon navire, le Gentayo. Si ton bateau a échoué, il ne va pas aller bien loin. Reste là et repose-toi. Le prince que je devais protéger est mort. Il s'est peut-être noyé en mer. Ou alors il s'est fait dévorer par les Gerudas. Dis-moi, quelle utilité puis-je avoir si je ne suis pas capable d'accomplir une tâche aussi simple? Non seulement je vis comme un vagabond qui se fait chasser de port en port, mais en plus j'ai perdu mon navire, ainsi que ce jeune prince que j'étais censé protéger. Je n'ai absolument pas la moindre utilité. Je ne mérite pas d'être en vie. Si ça t'intéresse, tu peux t'installer dans notre village. Tu y seras comme chez toi. Nous venons des entrailles de la terre. Nous vivons des fruits de la mer. Mais les plus beaux outils que puisse forger un homme viennent du ciel. Regarde ce Chris. Je l'ai forgé avec le métal d'une météorite. C'est le Chris d'un roi. Les étrangers ne lui inspirent pas confiance. Ses parents ont été tués par les Gerudas. Dis-moi, pourquoi tu m'as sauvé la vie? Mmh.
Est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu m'évites tout le temps? Quand comptes-tu t'en aller? Tu attends la prochaine pleine lune? Kessou m'a placé beaucoup d'espoir en toi. Il dit que tu es un genre de roi, le sauveur de notre tribu. Le sauveur de votre tribu? Non, je crois que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Notre tribu est divisée en deux clans. Le chef de chaque village veut être le seul et unique roi. Au lieu de vivre en harmonie, nous sommes tout le temps en train de nous battre. Pendant 7 jours et 7 nuits, Pak Kessoum est resté en méditation au pied des falaises. Il a fait un rêve prophétique, mais je sais que tu n'es pas celui dont il annonce l'arrivée. Tu n'es qu'un étranger comme les autres, tu n'as rien de spécial. Dès que tes blessures seront guéries, tu disparaîtras comme un voleur. Comme un froussard. Comme un froussard? De quelle prophétie est-ce que tu parles? Personne ne m'a parlé de cette histoire. Mais ne t'inquiète surtout pas. Parce que quand j'aurai récupéré mes blessures, je mettrai les voiles et sans attendre. Et vos problèmes de tribu, ça ne me regarde pas. Tu veux vraiment partir? Partir pour de bon? Prends ça et va-t'en! Va-t'en! Pour toujours! Va-t'en! 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 Elles réalisèrent alors que leur rêve de liberté n'avait duré qu'une nuit. L'espoir de mener leur vie en toute liberté avait été anéanti par les Gerouda, qui les gardaient sous surveillance et en lieu sûr, derrière l'infranchissable muraille de leur falaise. Sur cette île, elles étaient laissées libres de leurs mouvements. Mais elles savaient que nul ne s'en était jamais enfui. Cette cicatrice sur le cou d'Embok. Sa cicatrice? Tous les membres de notre tribu portent au moins une cicatrice. Je ne te parle pas de ces marques qui recouvrent parfois le corps. Celles-là, on les trouve dans toutes les tribus du monde. Les cicatrices du cœur, elles, sont plus rares, sauf dans notre tribu où chaque personne en a une. Vas-y, je t'écoute, raconte-moi la suite. Comme tu le sais, à une époque, les Gerouda étaient nos frères. Ils faisaient partie de notre tribu. Mais tu ignores que Taji, le chef des Gerouda, a lui aussi étudié auprès de mon maître. Tout comme toi, Taji a perdu sa mère alors qu'il était très jeune. Il a été élevé dans la même hutte que moi, celle de mon maître. Celle du maître de Taji. Mon maître portait au cou une amulette qui le rendait invulnérable. Taji supplia le maître à plusieurs reprises pour qu'il lui donne son amulette. Il voulait devenir le chaman de notre tribu. Mais mon maître refusa, car il ne voulait jamais rien donner à qui réclamait. Alors, Taji vola l'amulette et assassina mon maître. Puis, il rassembla autour de lui ses partisans, les Gerouda, qui pour beaucoup étaient des fils de notre tribu. Une nuit, accompagné de ses fidèles, Taji attaqua notre village. Nous avions été pris par surprise et étions désorganisés.
Mais certains prirent les armes, comme Lang, la fille d'un de nos anciens chefs. Elle fut la première à se défendre et guida nos frères dans le combat. Avec ses qualités, Lang aurait pu facilement vaincre Taji. Mais la magie de son amulette était trop puissante. Lang ? Mais c'est comme ça que s'appelle ma mère. Cela veut sans doute dire que notre rencontre ne doit rien au hasard. Depuis cette nuit-là, il ne se passe pas trois lunes sans que les Gerouda viennent se livrer à leurs actes de piraterie, prenant absolument tout ce qu'ils désirent. Une nuit, pendant une de leurs attaques, Kamawas, le disciple de Taji, surprit M'Bok, fille de notre ancien chef. Son père et moi avons bien essayé de l'arrêter. Mais contre Kamawas non plus, les lances et les épées ne peuvent rien faire. Et tant que nous resterons désunis, ces souffrances continueront. C'est la cause de notre cicatrice. Les Gerouda, y a-t-il un moyen de les vaincre? Pak Kessoum, dans ce rêve prophétique, qu'est-ce que tu as vu? La prophétie. Alors c'est M'Bok qui t'en a parlé? Eh? 7 jours au pied des falaises, plongé en pleine méditation. Alors je t'écoute, la vision que t'as eue, raconte-la-moi. J'ai eu une vision pendant la 7e nuit. Les dieux nous envoyaient un roi, un étranger. Il arrivait en plein milieu d'une bataille contre les Gerouda, et c'est lui qui allait réunir nos tribus. Je crois que tu es le roi dont la prophétie annonçait l'arrivée, le réunificateur. Désolé, mais ta prophétie, elle se trompe. Ou alors elle concerne quelqu'un d'autre. Si même pas un étranger. Et maintenant... Maintenant, je me rappelle que j'ai vécu ici, à cet endroit. Lorsque le temps et l'instant seront réunis, les deux côtés ne feront plus qu'un seul. Qu'est-ce que t'as dit? Et ce Pantoum, tu le connais? Ma mère aussi le connaissait. Où l'as-tu appris? Ce Pantoum est tiré de la prophétie. Ce Pantoum raconte comment deux villages que tout oppose se réuniront pour combattre les Gerouda côte à côte. Je t'ai tout dit maintenant, tu sais tout. Si tu veux partir, je ne te retiens pas. Kessoum, mon maître. Montre-moi la voie à suivre. Aide-moi, j'essaierai d'être votre roi. Sa préparation commença sous l'œil attentif de Pak Kessoum. Il lui parla de l'accord passé entre les deux tribus du pays. Celui qui se battrait et vaincrait à la force des poings serait proclamé roi. Son premier adversaire s'appelait Pilous. Il pouvait réduire la roche en sable avec ses mains nues. Mais Mérong prouva qu'il était bien plus qu'un simple homme. Alors qu'il attendait de défier son second adversaire, il put constater qu'M'Bok restait toujours aussi froide à son égard. Mais sa détermination n'en fut pas émoussée pour autant. Et c'est ainsi que le feu de l'amour fut attisé dans le cœur d'M'Bok.
Le second adversaire s'appelait Embi. C'était le valeureux fils aîné du chef de la seconde tribu. Il était aussi rapide qu'un aigle combattant dans le ciel. Il fondait sur sa proie au meilleur moment. Il fallut toute la force et la volonté de Merang pour gagner ce combat. À moins que ce fût par la grâce du hasard ou du destin. C'est ce jour-là que Merang fut proclamé roi des deux tribus sous le même nom que sa terre, Langkasuka. Lui qui n'avait jamais eu ni peuple ni mission, allait maintenant affronter les Geruda en tant que chef de nation. Et comme tous les rois, il a dû se choisir une reine comme compagne. Il aménagea le Gentayu, son ancien navire, pour défendre les côtes, mais aussi pour pouvoir attaquer. Travaillez bien, bonne journée. En ces journées marquées par le destin, peu notèrent que renaissait une fraternité éteinte depuis des lustres. Le destin voulait qu'ils soient à nouveau réunis. Ensemble, ils allaient écrire une nouvelle page de l'histoire. Attrape ça! Surtout appliquez-vous avec le toit! Nous nous abriterons là-haut si les Geruda reviennent nous attaquer ici! Comment évoluent les travaux? Les fortifications avancées seront prêtes dans quelques jours, et en temps de paix, on pourra en faire des salles de repos. Pas de Kessoum! Pas de Kessoum! Des étrangers arrivent sur nos côtes! Amiral, quelle joie de vous revoir en vie. Je croyais que vous étiez mort comme tous les autres. Nous avons suivi le bateau où était la princesse. À notre retour, j'étais convaincu qu'il vous avait tué. Excusez-moi, capitaine. J'aurais dû rester à vos côtés pour combattre les Geruda. La princesse était placée sous ma protection. Et aujourd'hui, elle est détenue par les Geruda qui demandent une rançon. C'est leur messager. Et la princesse est-elle en vie? Oui. Elle est en vie. Au moins jusqu'à la prochaine lune. Nous avons mobilisé nos flottes basées à l'archipel des Moluques et à Goa. Nous les attendons, mais il leur faudra plusieurs jours pour arriver jusqu'ici. Pourriez-vous demander à vos sauvages de nous aider? Ce ne sont pas des sauvages. Ces gens sont mon peuple. Et quand nous serons prêts, nous irons combattre les Geruda. Mais comme vous le voyez, nous sommes en plein préparatif. Nos bateaux et nos hommes ne seront prêts à naviguer que dans plusieurs lunes. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Si la Chine n'accède pas à leur demande, ils lui couperont la tête. Nous avons besoin de votre aide pour la secourir. Nous avons d'ailleurs pu sauver quelqu'un. Peut-être que ça vous aidera à faire votre choix. Mon prince! Votre Altesse, je vous dois mes excuses. Non, Merang, tu n'as aucune raison de t'excuser. Plus de courbettes entre nous deux, ou c'est moi qui vais t'appeler Votre Altesse. Tu es roi. Félicitations, mon frère. Appelle-moi Marcus. Marcus! Nous l'avons trouvé, sur les côtes, vêtu à la mode locale. Ouais. Nous avons déjà quelques hommes pour cette opération. Me prêteriez-vous quelques-uns des vôtres pour aller arroser les plages avec le sang de ces pirates? Non, je ne vous prêterai pas quelques hommes. Je vous offre ma propre personne et toutes les forces de ce jeune royaume. Si je veux que mon peuple survive, nous devons briser les ailes des Geruda. Bon, et si on jetait un œil sur votre navire? Nous y trouvons peut-être de quoi ressusciter mon vieux Gentayu. Prends ce que tu veux. Ces cadeaux de mariage ne nous seront d'aucune aide pour attaquer les Geruda. C'est pas sûr. Ce bateau peut porter beaucoup plus d'hommes que le Gentayu. Les côtes des Geruda ne sont pas assez profondes. C'est pourquoi nous avons dû interrompre notre poursuite la dernière fois. Si la chance nous sourit, on trouvera un passage.
Oh, de la soie. Oh, j'adore l'odeur de la princesse. De l'eau de rose et de la poudre de perles. Ce n'est hélas pas un navire de guerre ou de ravitaillement. Ce navire ne transportait que la garde-robe de la princesse. Un bateau entier? Ça, c'est impressionnant. Il a fallu 3 bateaux pour ses vêtements et les cadeaux que l'empereur a offerts. Notre princesse est beaucoup appréciée à la cour impériale. Tout le monde l'adore. Je me souviens, elle avait 12 ans. Merong ! Non, non, ça va. Surtout, ne vous occupez pas de moi. Je ne fais que jeter un œil sur ces miroirs. Combien est-ce qu'elle en possède ? Certains nobles lui en ont offert 100. Ça, c'est parfait. J'ai besoin de tous ces miroirs pour l'attaque contre les Gerudas. Et que comptez-vous faire avec ? Je vais montrer à ces pirates à quel point ils sont laids. Qui oserait nous attaquer? Nos anciens frères vont venir. Les 2 villages se sont réunis sous l'autorité d'un nouveau roi. La maudite prophétie de Kessoum est-elle en train de se réaliser? Les villageois? Que peut faire un simple bol contre un solide tonneau? Il n'y en aura que quelques centaines, surtout des paysans. Nous, on a plusieurs milliers de guerriers. Le message de l'oracle était clair. Si nous parvenons à surmonter cette épreuve, toutes les mers environnantes seront à nous. Non, tu dis n'importe quoi. Si nous tombons, les Gerudas ne se relèveront jamais plus. Tu crois pouvoir me faire peur avec une armée qui n'existe même pas? Il n'est pas question que tu les laisses atteindre la côte, compris? Ne crois pas que je vais partir en mer de nuit pendant que toi, tu restes seul avec la princesse. C'était donc ça. C'est l'idée que tu avais derrière la tête. Kamawas, n'oublie pas une chose. Ton invulnérabilité, tu la dois uniquement à mon amulette. Si tu la perds, tu pisseras le sang comme tous les autres. N'oublie jamais ça. Tu me réveilleras si jamais ils approchent nos côtes. Tu deviens sénile. Kamawas, va les attaquer! D'être puni arrive pour Taji, tu veux que je reste ici avec les femmes et les vieillards? Pak Kessoum, il faut que tu restes ici. Veille sur Mbok. Et veille sur les autres. Quand nous nous battrons, tu seras un exemple pour nous tous.
M'Bok. Rien ne garantit que je reviendrai. Si tel était le cas, prends soin. Tu n'as pas de temps à perdre. Vas-y. Vas-y et venge la mort de ta mère. Et je te vengerai toi aussi. Écoute-moi, tu es tout ce que je désire, absolument tout. Ne dis rien. Est capable d'atténuer la magie de Taji, mais contre son invulnérabilité, il ne peut rien. Les pouvoirs de Taji et de Kamawas dépendent entièrement de leurs amulettes. Prends leurs amulettes, et tu leur prendras la vie. Je m'en rappellerai, vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci pour tout, Pakkesu. Mais que je reviendrai, M'Bok. Et surtout, prends bien soin de toi. C'est mon roi qui prendra soin de moi. Notre roi, tous. Va-t'en. Je sais que tu reviendras. Princesse, princesse, j'ai découvert sa faiblesse. Quelle faiblesse? De qui parles-tu? Le grand bonhomme tout chauve, ce Mawa machin. En fait, il est invincible à cause du collier qu'il porte. Donc si vous pouvez lui prendre son collier, on n'aura aucun mal à le tuer. L'honneur de cette visite. J'imaginais que tu passerais la nuit au milieu de tes fidèles guerriers. Mes hommes m'agacent. Ils sont grossiers, surtout. Ils ne sentent pas aussi bon que les femmes. Et notre forteresse ne court aucun danger. Alors me voilà. Comme tu dis. Te voilà certes, mais dans quel but bien précis ? Si demain les Chinois n'ont toujours pas donné de nouvelles, c'est décidé, tu deviendras mienne. J'ai déjà assez patienté. Je peux jeter un coup d'œil sur ce qui sera bientôt à moi. Tu as vu que ce soir la lune est pratiquement pleine. Si nous en profitions pour nous offrir une promenade sur la plage, nous pourrions apprécier la beauté de ce cadre. Je préférerais que nous nous asseyions ici. Je me contenterais d'apprécier ta beauté sous ce rayon de lune. Ta proposition me semble honnête. Allons nous détendre un instant. Pourquoi ne pas écrire un poème ? Un poème ? Thank you.
toi. Je ne me sens pas bien, pas ce soir. Si tu reviens demain soir, je serai tout à toi. J'en ai plus que marre d'attendre. Tu seras mienne ce soir. Ce n'est rien comparé à ce qu'il va endurer. Amène-le à la proue. Oui, mon roi. Qu'est-ce que c'est, Mérang? Est-ce que tu te souviens de cet étui? Oui. Il contient le plan d'une arme conçue par Archimède. Archimède, le sorcier? Mmh. Et que fait-elle? Eh bien, ça reste un mystère. Tu ne sais pas à quoi elle sert? Non. Oh, c'est peut-être un miroir géant qu'Archimède utilisait pour voir ses fesses. Et tu vas en faire quoi? Eh bien, j'ai étudié les plans et j'ai une idée de ce à quoi ça peut servir. Et je crois que ça va fonctionner, en toute logique. En toute logique? Toi, logique. Je crois que tu devrais aller dormir. L'amiral est déjà monté au pays des rêves, lui. Que je dorme dans un moment pareil. Nous avons un seul navire pour aller affronter des milliers de pirates. Pourquoi dormir quand le sommeil éternel nous attend tous? Non, l'amiral est fou. Il va se réveiller avec une flèche dans le cœur. À ta place, je ne le prendrai pas de haut. La Chine a commencé à former de grands stratèges plusieurs siècles avant Rome. Alors dis-moi, qu'y a-t-il de mieux à faire qu'aller dormir? Tu sens cette odeur? C'est la crasse immonde des pirates. Dans quelques heures, nous trancherons des têtes de Garuda. Ils sont au courant de notre arrivée. Et tu peux être sûr que leurs bateaux vont venir nous accueillir. Il va couler des flots de sang. De chaque côté. Nous risquons de nous battre pendant plusieurs heures. Alors, s'il te plaît, va dormir, Marcus. Tu auras besoin de toutes tes forces. Et à l'aube, nous saurons si Archimède était un sage, un sorcier, ou bien simplement un fou. Repose-toi, mon jeune prince, tu vas en avoir besoin. Thank you.
Archimède n'était pas fou! C'est magique! C'est un miracle! On a une chance! Avec le miroir géant d'Archimède, nous pouvons gagner! Ils peuvent venir par milliers s'ils veulent! Ils brûleront tous! Et à condition que le soleil ne s'arrête pas de briller, alors ne te réjouis pas trop vite! Embarcations qui ont levé l'ancre coulent ou sont en proie aux flammes. Mais il en reste le double sur la plage. Et ils sont très nombreux. C'est du 5 contre 1. Hadès nous attend. As-tu un nouveau miracle pour nous sortir d'affaire? Peuple de Lanka Suka, fils de notre tribu, écoutez-moi. Depuis de trop nombreuses lunes, les griffes des Gerouda nous écorchent et nous blessent. Ils ont laissé des cicatrices jusque dans nos cœurs. Ils ont volé la vie de ceux qui nous étaient chers. Aujourd'hui, bien que je sois votre roi à tous, nous combattrons ensemble. Je serai à vos côtés dans le cœur de la bataille. Le sang qui coule dans nos veines provient de la même source. Il a la même couleur. L'air que nous respirons est le même pour tous. Nous marchons sur la même terre. Et nous vivons sous le même ciel. Pensez à vos enfants. C'est pour eux que nous allons nous battre. Peut-être que certains ne rentreront pas chez eux vivants. Nous aurons des pertes. Peut-être que nous allons tous laisser nos vies en nous battant contre les Gerouda. Mais à quoi bon continuer de vivre si nous devons toujours subir la brutalité sans limite des Gerouda? Combien de temps allons-nous laisser nos filles et nos fils en pâture aux Gerouda? Oui, c'est vrai que nous allons nous battre pour récupérer celle que devait épouser ce jeune prince. Mais ce n'est pas la seule chose que nous allons récupérer. Nous nous battrons pour récupérer l'honneur de notre peuple. La dignité du Lanka Suka ne repose pas sur votre obéissance au roi, mais sur la bravoure avec laquelle vous protégez votre terre. Je préfère mourir en homme libre que vivre comme un esclave. Un esclave terrorisé, incapable de s'opposer à la violence de ces animaux. Au nom de notre honneur, de la souveraineté de notre royaume, prenons nos lames et allons récolter des têtes dans les champs de Gerouda! À l'attaque! À l'attaque! Thank you.
Je crois que c'était les derniers. Vous avez parlé un peu trop vite, amiral. Come on.
Je ne serai pas présent à votre mariage. Ma princesse, acceptez que ma vie soit votre cadeau de mariage. Ah.
Lève-toi! Jetez tous vos armes! Sinon, je tue votre chef! Lysius, attends! Halte! Lorsque le temps et l'instant seront réunis, les deux côtés ne feront plus qu'un. Quand deux ombres viennent à se rencontrer, la mort s'arrête et la vie continue. L'histoire ne s'arrêta pas avec sa disparition, car sa femme portait son fils, le sang royal qui allait garantir à chacun de ses descendants de longs règnes de paix, dont toutes les générations de ce pays ont pu profiter. Et ce sang royal continue de couler depuis cette génération jusqu'à moi, l'actuel souverain régnant, le sultan Mulzafal Shah, aussi connu sous le nom de Fra Hong Mawangsa. Le Lanka Soka est aujourd'hui resplendissant et croule sous l'abondance. Mais les vieux contes s'oublient. C'est pourquoi je vous les transmets aujourd'hui, mes enfants, pour que ces chroniques vous éclairent à travers vos ancêtres et leurs renoncements. Car nous devons à jamais être reconnaissants et ne pas oublier le grand roi que fut Merang Mawangsa, qui donna sa vie pour le Lanka Soka.